je suis effectivement associée à la sélection avec des bibliothécaires, des libraires, des spécialistes de la lecture ou de l'enfance. On travaille toute l'année, en fait, tout au long de l'année. La nouveauté depuis 2 ans, c'est qu'on a une logique de sélection élargie avec les listes de bonnes lectures, comme on les appelle. Et voilà, donc on a vraiment un travail tout au long de l'année pour repérer au fur et à mesure de la production des sorties. Des livres qui, alors dans un premier temps, nous paraissent intéressants d'un point de vue critique, mais aussi intéressants à destiner à l'enfant. Et puis, il est vrai que pour la sélection resserrée des pépites en tant que telle, l'idée est d'aller chercher la création. On n'est pas dans une logique du bon livre pour enfants, simplement. Il y a aussi un enjeu dans les pépites de Montreuil à souligner le travail de création extrêmement vivant, extrêmement fructueux qui est réalisé dans ce secteur, et donc d'aller mettre en avant des albums qui ont ce travail fort de création. Déjà, c'est pas évident du tout, parce qu'en fait, les albums sont très différents les uns des autres. Parfois, on va vraiment se caler sur le texte, on va lire le texte, les images sont vraiment de simples illustrations, et voilà, on aura juste à faire finalement une lecture de texte. Mais parfois, le texte et l'image vont être beaucoup plus en dynamique, et finalement, la lecture, elle va passer du texte à l'image. Et là, il faut vraiment comprendre que la logique, elle passe par ces deux médiums, prendre le temps de lire l'image et d'associer l'enfant aussi à cette lecture. Parfois, on n'a plus du tout de texte. Et là, néanmoins, il y a une lecture à faire, parce que c'est une lecture de l'image. Il faut faire du sens à partir d'une suite d'images. Donc vraiment, l'idée, c'est de s'adapter. Et puis, essayer peut-être de regarder le livre avant et de s'interroger sur la manière dont on va pouvoir le lire avec l'enfant. Mais ne pas oublier aussi que l'enfant est par exemple un très bon lecteur d'images et qu'il peut finalement grandement nous aider à la découverte d'un livre. C'est vraiment pour moi la question la plus difficile, vous en doutez, puisque en tant que critique, je dois garder un éventail large, et puis c'est difficile aussi de souligner peut-être tel ou tel livre. Mais pour être tout à fait honnête, moi, il y a un livre, un album qui m'a vraiment ébranlé. C'était en 2004. C'est Papa se met en quatre d'Hélène Riff. Vraiment, c'est la première fois que je découvre un créateur qui se saisit totalement de l'album comme un espace de création, qui va absolument faire son chemin en toute liberté dans le livre. Voilà, ça reste quand même, pour moi, en tant que critique, une très très grande expérience de lecture que ce livre d'Hélène Riff chez Albin Michel Jeunesse.